Banakin viva! Banakin viva! Alors, tango, il y a un discours, je pense que ils ont déjà simulé la bise sociale et qui. Tout ça, si on a tango, il y a mon salam. Situation, il y a ville Nabiso, Biso Nyonso, Toyebi Ango. Tolingi, immobilisme, Tolingi, tu continueras à vous proposer et tu continueras à peu comme ça la bâtion. Excellence, monsieur le vice-gouverneur. Excellence, monsieur le ministre. Monsieur le commandant du service national général. Distingués invités. Les loyo ezali activité ezali ko se décliner na grande activité to lancer qui assainissement ya vie na Kinshasa. Aujourd'hui avec la police ya service national to lancer bongo campagne ya sensibilisation à la norme dans le milieu urbain. Parce que ville a continué à évoluer comme si c'était un abandon, le rôle à l'État a zalité. Et Seigneur Nabiso, que la ville Oyo, l'État a zali présent. Longtemps, Batou, c'est vertueux dans ma mentalité, et Zali Kosunga Bisoté pour la ville à Kinshasa. Oh, tu le la Kissinini. Tu l'ingi bon norme, et Zala observé. Le bandit n'a pas terre à choisir. Et au sein de ma bongo avec l'appui à la Service National. Pour éviter qu'il y ait un tour et les gars qui, tu lances la grande activité et assainissement, où tu as accompagné diverses personnes, et en particularité le génie militaire. Aujourd'hui, le Service National a été pour accentuer le volet Oyo. Italie, sensibilisation, la norme en milieu urbain. Et la Kissinini, tu as été et si gagnon sauté. Batandarablo a été et si gagnon sauté. Bakati sarape et si gagnon sauté. Basota et si gagnon sauté. Bapou sarape moutouka na désordre te. Batonga kape na anarchie te. Alors, nous sommes là et nous observé. Pendant l'activité au service national, à quoi accompagner Bissot, Kolanda Bongo, grande opération assainissement Oyo, Tolansaki. Les Oyo, bâtisseurs, Bazali, fierté nationale. Tata Mokonze Kolo, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, à s'investir, Makasi, pour la jeunesse Oyo, et sa valeur Oyo, va être déclinée à Wa, Toyoki, na serment la Bango. De profiter de l'occasion pour nous féliciter le général Kasson Kabouk, qui a été très bien, qui a beaucoup ovationné ma casse. Moussala, il y a la transformation de la jeune Nabiso, et il y a la fierté Nabiso. Transformation, il y a tout le monde qui a été très bien, tout le monde qui a été très bien. Comprendre que, quand on a Kinshasa, quand on a pété la Kinshasa, ils allaient car la responsabilité d'attendre au Konzambo Kate. Ils allaient car la responsabilité au gouvernement central Théo et Kamaimbo ou normalement Judith Soumouina. Ils allaient car la responsabilité. Il y a dit Yéli, vice-gouverneur, na Daniel Bumba, gouverneur T. Ils allaient responsabilité na Bisso Nyonso. Alors, ma valeur patriotique au Bazanango, de Bako se déployer le long à Barter Nyonso. Pour na koyé bapé ko sensibiliser et le bami a clairement et nous sommes totalement alignés na plan opérationnel ainsi que ba mesures coercitives le bami a wa oya ko linga ko observer norme T a rogena kanya makase se batangi se patriotisme. Le général a si bien répété et gota la mukolote mwana te et gota la riche le pauvre te et gota la fils de ou fille de te. Bisoyo senge tous à la bongo aligné. Toyeba ndenge toko sala que ville na biso et pesa biso fierté. Leloyo bosoto ezali na base ya bokono ebele.
D'ailleurs, si vous observez très bien, même espérance de vie dans ce qui est vivre sous longtemps, tu vas au coup faire la mort subite pour la nini. Environnement et sa sénité. Et ça peut toucher le problème de santé publique. Alors, tu as dit que tu continues. Tu as maquillé. Bah, désordre na banzela. Même façon que conduire pour la fluidifier mobilité, ils allaient peu aligner na activité où il y a observance, il y a normes na milieux urbains. Campagne oyo yo ils a lancé à côté à Missale au Salema et Gozabi so duré bon il y a 3 mois. Barter au Balobi, ce que Zali Bongo et Sili, tu continues à barter mon sous tito couvrir Kinshasa Mbimba pour que normes ils là. Awe lobami awa. Il a dit que Wenze est à la rappeler la chose moutante. Wenze est à la rappeler la boulevard. Il a sauté, il a sauté, il a sauté, il a sauté à Pascal, na bande à vitesse. Il a sauté, séparateur. Il a la raté. Alors, norme, on a observé pendant que le bâtisseur, il a sauté, il a sauté, il a faire observer aussi la norme. Tolingi que t'étant au bateau à Zoya na ville, la ville à Kinshasa, va comprendre que l'État a zali. Longtemps, la ville a été un peu dans l'abandon, je dirais. Mais cette fois-ci, comme on vient de le constater, il faudra Totonga, l'isolo et Sengo na Kinshasa, na Fachi Beton. Président de la République, Azali très aligné pour un rayonnement de la ville à Kinshasa. Azali, il y a un moyen conséquent pour que la ville à Kinshasa et à la Bongo, une ville assainie, le programme de l'Obaki. Gouvernement P, Nanzela, Premier ministre, Madame Judith Soumouina, Batikali P, Simate, Biso P, dirigeant ville à Kinshasa, Nassima programme, au Tozanango, Tozali, Tongo Midi, pourquoi, ko s'écarter tous allez très déterminé pour que Kinshasa est bonga. Tolingi, Petoye Biete, Kobonga, Eza, Kakaba milliardé, Eza détermination. Ce qui mentalité, Eza biente, Togosala et Loromorote. Yango, Service national et Loromorote, bâtisseur. Bakozala, derrière. L'activité est en train de inculquer les valeurs patriotiques qui sont incarnées dans les Kinois. Pour que les normes soient là, pour que Kinshasa soit là, pour que les gens soient là, pour que les gens volonté de continuer à se réunir, pour que les gens soient là, pour que Kinshasa soit là. Merci. Moka, bonjour. Bonjour, bonjour mon frère. Merci beaucoup, on a beaucoup bien dans la DRC News. Comment tu as mentionné sur la politique de la République démocratique du Congo? Quelle est la santé politique de la République démocratique du Congo, madame Boka? Santé et la politique du Congo est normale. Donc, Fatih Beton toujours. C'est normal, madame Boka, on va souffrir, on va retourner à Joseph Kabila quand vous dites que cette politique est normale. Vous faites des gens par rapport à vous. On va souffrir sur quel point? Sur quelle base les gens souffrent? Non, les gens souffrent parce que gratuit l'enseignement ou élève, c'est ma marche par-ci par-là. Est-ce que ça s'est fait vraiment, mon Amboka? Merci beaucoup. Gratuité et enseignement et ça marche. Ma grève, les alliés, les communs dans ma école, c'est dit à quoi? Un enseignant qui réclame 500 dollars. Mais nous étions, le gouvernement congolais a fait tout un programme budgétaire. Et ce programme a été réparti dans les différentes rubriques. Et rubrique, il y a enseignement et Zali à part. Et aujourd'hui, le gouvernement est basé dans la session d'idée au niveau de l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'a pas refusé la proposition, il y a des enseignants ou des syndicalistes. Le gouvernement a, leur a proposé un montant qui sera payé en 2 tranches. Et les enseignants ne veulent pas reprendre les coûts. Vous voulez que maintenant le gouvernement puisse faire quoi? Parce qu'il attend c'est que la fin du mois, qu'il puisse honorer son engagement qu'il avait promis aux enseignants. Et ils disent que non, nous allons reprendre que lorsque notre engagement sera honoré. Et voilà le problème qui se passe au niveau de la gratuité. Et aussi, pour aller plus loin, la gratuité, ce n'est pas toutes les écoles.
y a certaines écoles où les enseignants et les directeurs sont totalement manipulés. Oh, manipulés comment, président? J'ai assisté à une descente des élèves d'une école au niveau de Kimbanseke à Kingasa et là-bas. Les élèves qui sont dans la maison communale à Kimbanseke, j'étais là sur place. Qui sont dans l'école, dans le Sénat, pourquoi tu es dans la maison communale, pourquoi tu ça pour que tu es dans la maison communale, et tu es dans la commune. Parce que nous avons que vous ne voyez pas que cette histoire est allée à l'Ibi monter de toutes pièces pour vous saluer chef de l'État. Parce que ce n'est pas la propre volonté, moi-même, j'étais là, je suis allé dans les policiers, à l'école. Donc voilà le problème qui se passe au niveau de la création de l'enseignement. Donc ce ne sont pas toutes les écoles, c'est quelques écoles. Parce que na ce qu'on a pas dit quoi, les écoles musus, école et à l'État, il y a tout un salaire, parce que des classes. Mais pourquoi pas nous attaquer ça? Merci beaucoup, mon ambassadeur président. Oui, aussi mille mois limité du 8e Riawa. Tu parlais sur révision constitutionnelle. Oui, merci. Maman a dit comme mon ambassadeur, pourquoi vous lisez pas? C'est votre de précipiter les choses. On ne précipite pas les choses comme vous le dites. Bisso. Dans un testament, notre mandat nous a légué. Galiboso, c'était d'abord la conquête du pouvoir. On a conquis le pouvoir. Maintenant, notre deuxième objectif des alliés, comment conserver ce pouvoir? Alors, la conquête du pouvoir, notre mandat nous a dit, de rose mémoire, papa Étienne, il dit, si le peuple nous fera confiance et que tu as le pouvoir, nous allons réviser cette constitution. Ça, c'est une promesse. Et pourquoi on insiste qu'il faut réviser cette constitution, mon frère? Cette constitution a été élaborée à quelle période? C'est la période où le pays était en guerre. Dans la période où il y avait des belligérants, des différents protagonistes. Où il y a bien du côté naïe, où il y a bien ngamu naïe, où il y a tiré ficelle de côté naïe. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la période où on est le souci. Pourquoi pas faire adapter la constitution à la réalité actuelle du pays? Est-ce que nous sommes encore dans la table de belligérants? Ça, c'est un. De deux, pourquoi nous insistons que nous allons changer cette constitution? Si vous lisez l'article 215 à la constitution, je le finis. Comment un pays tel que Congo Nengezabo, on élabore une constitution, on nous impose et on nous dit que le Congo peut signer des traités dans l'accord que a cédé une partie à territoire naïe pour préserver l'unité africaine. Dans quel pays? Est-ce que la France peut céder son territoire à l'Angleterre pour préserver l'unité à France? Ou bien les autres peuvent le faire? Ou bien seulement ici au Congo où nous allons signer des traités pourvu que tout cédé une partie à territoire en Abisso, dans le pays Mokoboye, pour la raison de Kimia? Est-ce que Bisso, Congo, nous allons indépendants depuis que nous avons la conférence de Berlin. On était déjà État indépendant du Congo. Nous allons déjà délimiter la frontière en Abisso. Mais comment aujourd'hui on peut élaborer une constitution? On nous impose, on vous dit que non, pourquoi vous cédez ma belle Nabino, hein? Pour vous préserver l'unité, pour qui mis la mort en Abisso. Est-ce que nous on a un problème avec les gens? Est-ce que nous on a agressé un pays africain? Est-ce que le Congo a un problème avec les Occidentaux? Pourquoi allons-nous céder une partie du territoire dans le pays où nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous cette paix, c'est une paix que nous allons acheter. C'est qu'ils nous ont imposé la guerre pour que tout le peuple soit mêlé. Moi aussi, c'est Bitumba. Mais c'est impossible. Voilà ma raison. Ma raison, oh, yo, biso, to lingi, to réviser. Nous, l'UDPS. L'UDPS n'est pas une constitution, pas le peuple congolais. Non, non, écoutez, l'initiative et la révision de la constitution appartient à tout le monde. La constitution elle-même a épaissi l'initiative de la révision de la constitution. L'article 217, je pense, ou 217, c'est clair. Ou 215, c'est clair. Et l'obéni, l'initiative de la révision de la constitution, ils allaient quoi revenir dans le monde, dans l'individu, dans le monde. Batangi, président de la République. Batangi, gouvernement. Batangi, les deux chambres, il y a parlement.
Il y a une pétition signée par 100 000 personnes. Est-ce que si nous, aujourd'hui, de presse, nous signons une pétition, nous déposons une assemblée nationale et que l'assemblée nationale va étudier la pétition, va voter Yango? Est-ce qu'il y a un problème? Mais, président, nous voulons sauver la nation. Le secrétaire général IDPS actuel, Non, c'est un fondeur. Un fondeur, comment il avait organisé un meeting dans la terre, pas vu ça? On a vécu de telles histoires dans ce pays. Mais tu sais que la question est mon ambo. Continuez. Secrétaire général de Bizimou, na RTNC, vous avez dit oui. Par exemple, mon cabinet IDPS, secrétaire général, nommé par CDP. Quel CDP? CDP qui est hors mandat? Mais on mandat comment? Mais c'est le même CDP qui avait installé Augustin Kabouya. À cette époque, la même CDP avait le mandat. Mais la CDP qui a voté, qui a élu, qui a soi-disant mis de haut du Zoubou, n'a plus le mandat. La CDP a un mandat de 5 ans. C'est toute une législature du parti. Le mandat de la CDP a expiré depuis 2023. Au moment où il y a eu les élections et que nous avons eu une nouvelle législative, on a de nouveaux députés, automatiquement la CDP tombe caduque. Il faudrait maintenant recomposer la nouvelle CDP de 2023 à 2028. La CDP n'a que 5 ans de mandat, conformément au mandat. Ça veut dire que mon amour de l'OBC, on a une illégalité. Et d'ailleurs, je vais aller plus loin pour choquer Dewo Bissoukou. Pour faire quoi? Je vais le choquer. Choquer qui? Je vais choquer soi-disant secrétaire général. Secrétaire général de Dewo Bissoukou. Je vais le choquer. Comment? Secrétaire général de Dewo Bissoukou. Permettez-moi. Permettez-moi. Je vous permets. Nous sommes allés au congrès de Ngandayala, où toutes les structures du parti réunies là-bas en Ngandayala. Nous avons renouvelé le mandat au secrétaire général. Pas renouvelé, mais confié, légitimé secrétaire général Augustin Kabouya comme étant le secrétaire général du parti. Ok? Deuxième résolution. On a dit que, comme le chef de l'État qui est notre candidat aux élections 2023, comme il est empêché, le secrétaire général du parti doit faire la même fonction du président du parti, comme étant le président Haïe. Vous comprenez ça? Maintenant, lorsque vous rentrez dans nos statuts du parti, l'article 23 dit quoi? L'article 23 dit ceci. Le secrétaire général du parti est nommé par le président du parti. Vous comprenez ça? Et si aujourd'hui, le fondeur se permet de dire que voilà, que Kabouya parte, il resient de haut du Zoubou. Ok? Maintenant, la légitimité, c'est que Kabouya va rester le président Haïe du parti. Parce que c'est lui qui avait reçu le mandat de remplacer le président de la République, parce qu'il a empêché. Comment il va rester le président Haïe du parti? Alors que la constitution, les statuts disent, l'article 23, le secrétaire général est nommé et révoqué par le président du parti. Alors, Dewo Bissoukou s'est dit que je suis nommé par la CDP. Une CDP qui était hors mandat. Nommé secrétaire général sans l'accord du président Haïe du parti. Est-ce que ça a du sens? C'est pourquoi je veux dire que je vais le choquer. Si il est un homme, s'il raisonne comme moi, je pense qu'il peut regarder dans le miroir et